Ce dont je vais parler en seconde partie, vous n'êtes obligé de rien. Vous avez des droits et je vais commencer à en parler. Et beaucoup de ceux qui justement se rapprochent de leur avocat comprennent qu'ils ont des droits et que quelque part, vous ne pouvez pas comme ça vous laisser balloter à droite et à gauche et que rien n'est obligatoire. Absolument rien. Et ça, c'est compliqué de le comprendre. Quand on est quelqu'un qui s'affole et qui regarde un petit peu trop la télé sans consulter par lui-même, ce qui peut justement circuler sur Internet. Ça, c'est important. Non, mais je vous le reprécise aussi sur des lives à 17h. Je vous le répète, mais vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave, mais je vais quand même vous le répéter. Après, il y a des personnes qui m'ont précisé beaucoup de choses. Rien n'est obligatoire. Après, ça paraît incroyable parce que vous écoutez peut-être le maître suprême, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui s'angoissent et qui font des choses un petit peu à leur insu, sans le souhaiter, et puis après qui regrettent. Il y en a pas mal qui regrettent aussi après. Alors, t'es aide-soignante. Angèle Dupré. Je peux pas tout dire sur Facebook. Si vous voulez me retrouver sur des lives en seconde partie, c'est important. Vous pensez quelque part que vous allez être obligé, mais je vous le répète, vous pouvez vous tromper. Parce que finalement, on vous met la pression. Non, mais il y a un gros coup de pression. Il y a un gros coup de pression. Fab Pat, on ne met pas de détails de cet ordre sur mon direct, s'il te plaît. On va se retrouver en seconde partie pour mieux préciser les choses. Georgia, bonjour. Non mais vous reprenez, c'est comme Edgar qui est officialiste, il reprend des chiffres. Et là il me sort, mais après je ne vais plus parler de lui. 25 fois plus de Français dans les centres que le manifestant dans les rues. C'est ce que tu reprends chez BFM TV, Edgar. Ce sont des données qui sont officielles. Il y a plus fort que les données officielles. Je ne vais pas voir Aldostarone pour l'instant. Je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il y a plus fort que les données officielles. Il y a également des données beaucoup plus impactante qu'il faut aller chercher sur les réseaux. Et les données sont différentes. Très différentes. Oui, Born, absolument. Très, très différentes. Parce qu'on a des envoyés spéciaux partout en France. Parce que ces personnes relaient l'information, parce que ces personnes sont beaucoup plus, dignes de confiance que ces collabos à la télévision, et que finalement, les chiffres ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a pu vous positionner dans la tête, vos têtes de crevettes, pour reprendre vos données officielles. Edgar, si tu veux rester sur YouTube, tu devrais plutôt apprendre à ne plus sous-estimer et mépriser les autres. C'est pas parce que tu te sens différent, parce que tu es un des rares officialistes à écrire, que quelque part, tu dois nous positionner ce qu'on t'a mis dans la tête, du pré-mâché, du steak haché. À un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que ça nous rend dingue, quoi, d'être entouré des fois de faibles d'esprit. S'il vous plaît, reprenez-vous. C'est pas le moment de faiblir, hein. C'est pas le moment de défaillir. C'est pas le moment. Bloque-le. Non, je donne des chances quand même un peu. Mais non, mais il s'agit pas. Non, mais il faut pas. Les Français sont divisés pour certains, mais pour d'autres sont ensemble, même s'ils n'ont pas tous fait forcément leur dose. Quelque part, il y a beaucoup de Français qui sont ensemble, et c'est pas une question de dose. C'est pas le bon sujet. C'est pas le bon débat. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ce qui réunit tous les Français, une grande partie en tout cas en ce moment, c'est autre chose. C'est pas juste ça. Salut Ruc. Il s'agit de respecter un petit peu les autres. Faible d'esprit égale débile. Ouais, débile. Débilité, c'est un petit peu ce qui nous guette. Hein. Bonjour vous tous. Comment faire un don pour que je me puisse m'acheter une paire de soleil à ma vue? Tu t'en vas, tu te désabonnes, tu te dépêches. Vas-y, casse-toi. Dégage. Quel don on pourrait faire pour que vous puissiez avoir un cerveau? Maintenant, on est chaud, hein. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine de venir nous chercher, on est chaud patate, hein. On est chaud bouillant. Hein. Si c'est pour venir me rentrer dedans par rapport à mon physique, je m'aime, ça me suffit. Hein. Encore une sirène. Et je compte continuer de m'amuser, même si les temps sont durs, je vous le dis. Hein. Je suis passé sur une vidéo de Monsieur Jovanovic, parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle, mais parce que je le connais depuis des années. Merci le couple. Et quelque part, du CHF. Et Monsieur Jovanovic,
Il reprend une piste. Et lui, ce monsieur Jovanovic, il n'est pas du tout complotiste. Hein. Mais alors, pas du tout, hein. Même si certains